Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samuel Hospita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, et comme d'habitude aussi, likez la vidéo, c'est assez important. Donc, ici, je vais vous montrer un peu, parce que j'avais déjà fait une première vidéo, et ici, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir au moins débuter, parce qu'il y a plus de personnes qui m'ont écrit sur WhatsApp. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir débuter comme ça la bourse ou bien l'admission à l'université au Qatar. Voilà, donc ici, comme vous voyez à l'écran là, vous voyez déjà que c'est l'interface qui est là. Donc pour pouvoir postuler, on va aller très vite parce que voilà, il n'y a pas assez de temps, et puis c'est juste vous montrer comment ça se passe. Je vais postuler tout à l'heure pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, par exemple comme ça, si vous voyez là et que vous voulez avoir un peu les facultés ou bien voir un peu les filières qui existent. Déjà, vous pouvez essayer d'arriver là. Et puis, un instant que je traduise pour que tout le monde puisse, pour que vous tous, vous pouvez, vous soyez sur les mêmes ondes. Voilà, donc, ici, si vous vérifiez là, ici, on a quoi, politique, procédure en ligne et tout, directrice. Ok, je vais cliquer là. Et puis, on va essayer de voir un peu ensemble comment est-ce que, comment est-ce qu'on postule en ligne. Voilà, et ici aussi. Si vous ne voulez pas aller là, vous pouvez aller ailleurs pour aller voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. Voilà, donc comme je l'ai dit, ici pour pouvoir postuler, il y a deux types de langues. Il y a l'arabe et puis il y a l'anglais. Voilà, donc ça sera à vous maintenant de voir comment est-ce que vous voulez postuler et puis pour quelle faculté vous voulez postuler. Si vous choisissez une faculté qui est enseignée en arabe, vous devez soumettre des documents qui prouvent que vous maîtrisez l'arabe. Mais si vous prenez aussi en anglais, vous devez soumettre des documents aussi qui montrent que vous maîtrisez l'anglais. C'est pourquoi j'ai dit au moins faites le minimum pour avoir un certificat en anglais avec vous. C'est assez important. Ok, donc moi je viens là, je vais aller rapidement. Je viens dans admission. Et dans admission, je viens sur par exemple admission requirement ici. Voilà un document. Donc comme vous le voyez là, ils ont déjà ceux qui doivent aller pour, pour septembre sont déjà là-bas pour étudier. Et ceux qui veulent commencer en janvier 2024, voilà, les admissions ont été déjà lancées. Ça fait moins 3 jours et ça finit le 5 octobre 2023. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez postuler pour aller y étudier ou pas. Voilà, donc, comment ça se passe? Ici, ce que l'on va faire, on va cliquer sur directement appliquer. Appliquer à l'université, Qatar University. Donc, j'applique là et puis ça nous montre l'interface qui est là. Voilà, je vais toujours mettre en français. En même temps, vous allez lire en même temps que moi, c'est mieux. Pour ne pas me permettre de lire à chaque instant. Donc aussi, on dit de soumettre votre admission, demande d'admission en ligne, remplissez les informations, téléchargez les documents. Et une fois la candidature soumise, vous ne pourrez télécharger aucun document. Ok, donc n'oubliez pas déjà, vous avez jusqu'à quand? Jusqu'au 5 octobre 2023. Ok, donc, une fois que vous allez soumettre votre candidature, vous allez recevoir une lettre de reconnaissance. Dans les 3 jours ouvrables, vous recevez une accusé de réception pour confirmer la réception de votre candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez actuellement, si on commence et qu'on soumet notre candidature, on va attendre 3 jours. Ça peut venir à n'importe quel jour, mais maximum 3 jours et vous allez recevoir un message pour pouvoir confirmer votre candidature. Donc après cela, ils vont examiner votre candidature. Voilà, et quand ils finissent d'examiner votre candidature, si votre candidature est assez intéressante, voilà, il peut vous passer l'entretien. Le programme d'études supérieures vous contactera par email ou par téléphone pour vous informer de la date et l'heure de l'entretien. Voilà, donc ils peuvent vous soumettre à l'entretien. Si la faculté que vous allez choisir ne demande pas d'avoir de soumettre directement des documents en anglais, voilà, vous pouvez déjà soumettre sans le document en anglais. Et si vous maîtrisez l'anglais, ils peuvent vous prendre un entretien en anglais aussi pour que vous puissiez vous exprimer et vous allez leur montrer vraiment que vous maîtrisez l'anglais, seulement que vous n'avez pas de certificat en anglais. Voilà, donc c'est aussi important. Et ici, soumettre les documents officiels requis. Lorsque la décision d'admission
seront confirmés, vous serez contacté pour soumettre tous les documents officiels nécessaires. L'adhésion dépendra de la soumission des documents officiels et authentiques requis selon les dates limites d'admission. Donc, vous voyez un peu ici, dans les normes des universités, lorsque vous êtes admis, vous arrivez d'abord sur le territoire avant de pouvoir leur montrer vos documents, les originaux. Mais ici, ils vont vous demander d'abord, dès même votre pays, ils vont vous demander de soumettre les originaux. Voilà. Mais parfois aussi, il y a les années passées comme ça, il y a d'autres qu'on a attendu jusqu'à là-bas pour pouvoir récupérer les documents. Voilà. Donc, une fois que c'est bon et que vous avez vraiment vérifié vos documents et qu'ils ont vérifié les documents et que c'est bon, directement, on vous envoie la lettre d'admission pour que vous puissiez aller chercher à avoir votre visa. Voilà donc. Mais ici, les frais à payer déjà, ceux, je l'ai toujours dit, ceux qui pensent que, qui n'ont pas de moyens à chaque instant, qui disent qu'ils n'ont pas de moyens, mais qui veulent aller forcément étudier à l'étranger, sachez déjà que la plupart des universités demandent des frais d'admission. Donc, c'est aussi une politique pour eux aussi de pouvoir essayer d'étudier ces admissions-là pour pouvoir aussi réaménager leur université. Vous comprenez, c'est une politique. Voilà, donc ici c'est 300 carats, je crois, ou bien 300 monnaies qataris. Donc 300 monnaies qataris, si je viens là et que je tape 350 monnaies Qatar, pour ceux qui veulent savoir, monnaie Qatar en francs CFA ou bien en euros. Voilà, je vais prendre l'euro pour tout le monde parce que, ou bien je vais prendre en dollars pour, bon, c'est venu en euros, donc il n'y a pas le choix. Donc, je prends en euros, ça fait que ça va être 0,25. Donc, 350 dollars quoi? Donc, vous voyez ici, Qatari, Rial, QR. Donc, 350, ça donne quoi? Ça donne 88,33 euros. Voilà, donc, en 88,33 euros, vous pouvez mettre sur 90 euros pour pouvoir solder les frais d'admission de votre candidature. Voilà donc, ici vous allez voir un peu les documents qu'il faut pouvoir soumettre la candidature. Voilà, et nous on va aller rapidement parler de soumettre la candidature. Vous voyez ici, ici ils ont mis, après avoir reçu votre demande, une décision initiale d'admission aux études supérieures, vous devez soumettre relevé de notes, résultats des tests si nécessaire. Comme je vous l'ai dit, résultats des tests si nécessaire, ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir. Certificat de santé délivré au Qatar, voilà. Les documents requis peuvent être déposés en personne au service des admissions. Vous voyez, donc vous serez déjà là-bas avant de déposer. Ça, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est lorsque vous êtes admis déjà. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ici, ils ont mis réception de la lettre d'admission. Tous les étudiants admis recevront une lettre d'admission officielle de la section des admissions au cycle supérieur de l'Université du Qatar. Peu de temps après, votre programme d'études supérieures vous fournira également des informations relatives aux orientations si au fait par votre programme d'études. Voilà, donc nous on va aller rapidement parler chaque postulé. Nous on était là, voilà. Donc je viens démarrer ma candidature ici. Donc je démarre ma candidature. Comme je l'ai dit, les documents dont vous avez besoin, vous savez déjà, c'est sur les documents. Ici, please prepare an electronic copy of all document requirements. Ici, si je vérifie là tous les documents dont j'ai besoin, je vais cliquer là. On va essayer de voir les documents et puis vous aussi, vous allez essayer aussi de vous organiser pour pouvoir postuler. Donc, moi ici, je considère que je postule pour le master. Vous voyez, je considère pour le master, donc second degré applicant. Ici, je postule pour le master. Donc voici tous les éléments, j'avais déjà fait une première vidéo. Voici tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc vous pouvez déjà vous-même vérifier les éléments. Et puis, par rapport à ça, vous allez pouvoir postuler à l'admission. Donc moi, je reviens directement sur la plateforme où je dois m'inscrire ici. Donc ici, on demande si c'est votre première fois de postuler. Ici, vous cliquez sur First Time User Account Creation. Voilà, ça vous envoie là. Your PIN must be 8 and 15 alphanumeric character. At least one numeric character must be. Attendez, je vais mettre en français. C'est mieux pour tout le monde. Voilà, donc votre code PIN doit comporter 8 à 15 caractères alphanumériques. Au moins un caractère numérique doit figurer dans le code PIN. Au moins un caractère alphabétique doit figurer dans le code PIN. S'agissait un nouveau code PIN. Voilà, pour
le vérifier, puis sélectionner connexion pour vous identifier. Voilà, donc ici, si moi je crée mon identifiant, création de l'identifiant, je peux mettre un nom comme ça. Un instant, je vais mettre comme ça. Putain. Ok, et ici, je vais mettre mon mot de passe. Vous avez bien lu, le mot de passe doit être entre 8 et 15 caractères. Donc, il faut pas oublier, il doit avoir forcément des éléments majuscules. Ok, donc entre 8 et 15 caractères. Ok, voyons voir. Donc, s'il y a un souci, ils vont me dire qu'il y a un souci. Je vais essayer de réaménager un peu. Dans le cas contraire, on va aller rapidement. Voilà, donc j'enregistre ici. To apply for admission. Attendez, je vais toujours mettre un nom français. Donc, pour ceux qui m'ont écrit et tout, voici un peu comment ça se passe. Pour postuler à l'admission, sélectionnez d'abord le type de candidature que vous souhaitez compléter. Les candidats à la recherche d'un baccalauréat doivent choisir le type de candidature du premier cycle approprié. Ok, donc certificat, type de document. Ici, demande principale, demande de certificat, demande principale, demande de doctorat. Demande principale. Pour postuler à l'admission, sélectionnez le type d'abord de candidature. Je vais mettre en anglais parce que parfois ça change. Ok, donc je mets en anglais normalement. Voilà, c'est Masters Application. Donc, vous voyez, ça c'est le Masters. Donc, je mets continue. Voilà, et ici, c'est pour quelle étude? C'est pour janvier 2024. Donc, je mets mon nom. Ok. Donc, après ça, je mets mon last name. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. Ici, je peux copier ce qui est là. Je peux couper. Et puis, je mets là. Je peux enlever ce qui est là. Vous allez seulement essayer de remplir des éléments qui sont vraiment en astérisque rouge, rouge. Voilà. Où c'est rouge, c'est là que vous suivez. Donc, maintenant, une fois que si c'est fini, je clique là. Vous voyez, et je viens remplir tous les éléments qui sont là. C'est-à-dire que je dois, vous voyez, après, je mets confirmation. Ok, je vais mettre en français encore pour vous lire un peu. Veuillez remplir toutes les sections de la demande d'admission. La liste de contrôle fournie ci-dessous vise à vous guider tout au long de la procédure de candidature. Sélectionnez le bouton Terminer ici, Terminer qui est là. Si vous souhaitez terminer votre candidature plus tard, notez que le système enregistrera uniquement les sections complétées. Sélectionnez le bouton Demande complète. Uniquement lorsque vous êtes prêt à soumettre votre candidature du rempli. Donc je viens là, confirmation du nom ici. Voilà. Et une fois que je vérifie mon nom, tout est bien et tout, je peux continuer. Je continue. Si vous postulez et qu'après vous êtes fatigué de pouvoir postuler, vous cliquez sur finish letter. Vous y allez. Après vous venez compléter. Ce n'est pas un problème. Donc ici, vous pouvez mettre comme ça. Moi c'est mal. À date de naissance, en tant que je viens pour un master, je vais mettre que je suis né peut-être en 2004. Voilà, donc février, jour, le 3, et puis c'est l'année, je mets 2004. Ok, ici, le mail, on me demande mon mail. Le mail, je mets le mail pour la bourse. Voilà, ici, et je vérifie encore le mail. Ok, j'espère que j'ai bien écrit. Après ça, enter your Qatari identity. Ici, if you don't have, donc regardez très bien ici ce qu'on dit. If you don't have a Qatari ID yet, please enter your mobile number with country code. Donc on dit que ici, si vous n'avez pas encore de code de Qataris, entrez ici votre numéro de téléphone et puis suivi de l'indication. Donc, je peux mettre plus 225. Voilà, et je mets 07 59 33 12 44. Voilà, ici par exemple, comme ça, plus 225 07 59 33 12 44.
Ici, on dit les 11 chiffres maximum. Please enter your number with country code. Ici, 11 maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Donc, ça veut dire que je vais enlever les 07 qu'ils ont ajoutés. Et je vais mettre disons, mon numéro normalement. Voilà. Plus 225, 59, 33, 12, 44. OK. Ici, International Perspective. Gne, gne, gne. Please apply for visa if you don't have quelque chose. Gne, gne. OK. Donc, on continue. Voilà, donc je suis sûr que vous maîtrisez, vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, et une fois que ici on dit qu'il y a une erreur sur la date de naissance, invalide birthday. Ah, voilà, j'ai mis 1900, c'est 2004. Ok, donc je fais continuer. Ok, donc ici vous voyez un peu, vous mettez l'adresse, tout, voilà, et puis vous essayez de remplir. En fait, je suis à 3 sur 9. Je suis à 3 sur 9, voilà ici. Je suis sur la troisième page, il y a 9 pages, alors je n'ai pas fini les 9 pages. Bon, maintenant que vous voyez un peu comment ça se passe, pour ceux qui m'ont posé des questions, assez de questions, je vous rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer et puis vous pouvez aussi poser vos questions aussi là-bas. Donc pour ceux qui sont intéressés, je suis disponible, faites-moi signe et puis voilà, on va vous enregistrer. Donc à plus les gars et puis surtout prenez soin de vous.